Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous faire un gâteau au yaourt qu'on a nommé la Fondation Agustín Fernández. Donc voilà les ingrédients. Chef de production, est-ce que nous sommes prêts? Oui. Très bien. Chef Emmanuel, allons-y. Il nous faut donc chef de production, rappelez-vous qu'on veut, chef va s'asseoir, chef asseyez-vous, et vous allez regarder le travail. Il nous faut... un perle de lait, un yaourt nature. Voilà. Un yaourt nature, voilà. Allez-y, chef. Versez. Donc, on le verse. Donc... Et rappelez-vous qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le perle de lait. Donc, il faut un yaourt. Au lait. Nature. Très bien. Allez-y. Donc, on le renverse. Très bien. Vous le videz, chef. Donc, on le vide. Une cuillère, s'il vous plaît. Voilà. Petite spatule. On rajoute. Deux gros œufs, chef. Après, on met deux gros œufs. Quelle est la particularité de ce gâteau? Pouvez-vous... Oh! Zut alors! Alors là, vraiment, chef, zut alors. Bravo, madame. C'est pas grave. La table est en propre. Allez-y, chef, vous mettez les œufs. Nettoyez. Ça commence bien. Ok, alors je le renverse. Je mélange. Allez-y, il nous faut donc la particularité de ce yaourt... C'est qu'on utilise le pot de yaourt vide pour mesurer, n'est-ce pas, chef? Alors, on doit mélanger, chef. Oui, c'est bon. On doit mélanger à peu près jusqu'à que ça devienne d'une couleur plutôt jaune. Jaune pâle, on rajoute. Donc on mélange jusqu'au jaune pâle. Très bien, on rajoute 3 quarts, un petit peu plus, parce qu'on veut que les Américaines apprécient un peu mieux. De sucre, on rajoute. Donc on vous montre jusqu'à où on doit mélanger. On n'a pas fini, chef. Il nous faut l'huile, la vanille, oui. Un pot d'huile. Donc oui. La vanille. Voilà, chef. Un petit peu plus près. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous venez vers le bol, chef. Donc, ici, un petit sachet de vanille. Et en Amérique, ils n'ont pas le sachet de vanille. Et je le renverse. Très bien, on mélange. Allez-y. Voilà. Très bien. Jusqu'à que ça devienne un petit peu dur à mélanger, comme de la pâte à manger. Très bien. C'est bien mélangé, chef. Vous êtes prêts pour les pots de farine ou encore? Pas encore, pas encore. Vous prenez bien les yaourts sur le côté, comme d'habitude. Donc, vous êtes devenu expert maintenant. Hein. Donc voilà, comme ça, il faut que ça soit liquide. Et maintenant, on rajoute la farine, donc ça va être dur. Trois pots de yaourt, de farine. Oui. Rappelez-vous, chef, que nous devons mettre avant de mélanger... Oui. L'alsa. La levure, qui s'appelle en anglais, assistant de production, baking... Powder. Baking powder, de... Et juste pour vous dire, l'alsa, il faut le mettre aussi... il faut essayer de les mettre sur la farine. Excellent. Point. On va doucement. Et nous finissons. Et hier, nous avons apprécié un peu d'amande. Et on rajoute un petit peu d'amande en poudre. OK. Qui se trouve d'ailleurs aux États-Unis, à près de Joe. Chef, vous en êtes où? Je suis presque... Très bien. Alors, oui, en effet, il faut sucer les doigts. La pâte est jolie, n'est-ce pas, chef? Vous êtes fière de votre travail? Nous avons pris un moule et nous avons mis un peu d'huile et un peu de farine afin que le gâteau ne colle pas. D'accord? Ouais. Et après, on va mettre... après, on va mettre dans le... Donc, la pâte doit être... molle. C'est ça, chef? Oui, c'est ça. Voilà. Le moule est prêt. La farine, c'est déjà... Nous avons tout mis. Le yaourt, les œufs, l'huile, le sucre vanillé, le sucre, la farine, la levure et les amandes moulues. Nous versons. N'est-ce pas? Voilà. Donc, dans le... Dans le moule. Mais un moule plus petit serait...
un petit peu mieux. Notre gâteau va être... Et le moule, en fait, on a mis le pépin de raisin pour... soit vous le faites avec du beurre, soit vous utilisez le pépin de raisin pour le moule, voilà. Pour pas que ça colle. Exactement. Et on a mis un peu de farine qui empêche encore moins le gâteau. Qui colle, parce qu'après ça reste collé. Ce gâteau au beurre est excellent. Mais cette huile est excellente aussi pour la pâtisserie, puisque nous l'avons essayé hier. Et comment était le gâteau hier, chef? Succulent. Bon. C'est bon. Le four, vous pouvez parler du four? Aux États-Unis, 300 degrés Fahrenheit. Donc en gros, 200 degrés. Et 300 aux États-Unis. Voilà. Et nous enfournons le gâteau. Assistante de production, bien sûr, assurons-nous que le gâteau soit bien fait. Et nous allons maintenant l'enfourner. À tout à l'heure. Aux environs. Voilà le résultat.